Eh bien, salut à tous, c'est Passion Cinéma. Là, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation du collecteur de Kaamelott. Voilà, le premier volet, donc sous un format livre. Donc, je vais tout vous montrer. Donc, ceux qui ont mon Insta, vous verrez la photo de base avec l'emballage, le petit bandeau qui explique tout ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, vous avez le résumé, voilà. On va tout regarder ensemble. Donc je l'avais précommandé à la Fnac, donc 50 euros. Voilà, bah franchement, il est très très beau. Donc on va commencer déjà ici. Donc là, vous avez des petites photos, des calligraphies. Appelez ça comme bon vous semble, tout simplement. Voilà, donc je rangerai les articles du collector à la fin, évidemment. Donc on a Arthur, et vous voyez, même l'arrière, et l'arrière est pareil pour toutes. Voilà. Donc c'est juste les personnages, donc il n'y a pas vraiment de spoil à avoir, puisqu'on connaît à peu près tous les personnages. Voilà, j'aime beaucoup Kaamelott, j'aime beaucoup cet univers, et c'est vrai que le film, je l'attendais. J'ai été voir au cinéma, et puis j'ai hâte de me le refaire, là, vous voyez, du coup. Voilà. Voilà. Et la petite cale carton, qui permet de ne pas les abîmer. Hop. On va ensuite passer à la deuxième partie des photos. Donc je vais tout vous sortir. Donc d'une main, c'est pas évident. Hein. Hop, 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 hop. Donc on va déjà commencer comme ça. Hop. Vous voyez, il y en a tellement, tellement, tellement. Donc c'est quasiment, la plupart des acteurs sont les acteurs, on va dire, principaux. Il y en a que vous ne connaissez peut-être pas, parce que voilà, c'est pour le film, hein, donc des nouvelles mises en scène. Clovis Cornillac, hop. Vignac, le roi des Bourgondes. Hop, voilà. Donc là, on a tout fait. Ensuite, nous avons ici le Blu-ray 4K. Donc je vous montre un peu le design. Voilà, donc premier volet, si vous voulez un peu voir. Donc c'est juste présenté comme ça. Après, honnêtement, c'est bon, ça craint rien, c'est du Blu-ray, c'est quasiment intuable. Deuxième page, nous avons donc hop, cette fois-ci le Blu-ray. Plutôt pas mal. Hop. Tac, nous avons ensuite la troisième page. Pareil, de magnifiques illustrations. Nous avons ici tout simplement le DVD. Donc utile. Hein. Comme ça, si vous sauvegardez un jour sur 4K, bah, vous avez déjà 4K. Moi, ce sera, je vais prendre le Blu-ray puisqu'il est dedans. Le DVD, si il faut que je prête le film, bah, je peux prêter le DVD. Voilà. Et là, on a un autre objet de collection. Donc là, hop, c'est la petite pièce d'Arthur. Donc elle sort comme ceci. Voilà. Il me semble qu'on l'aperçoit dans la série. Hop. Donc ça vient dans une pochette ici à l'intérieur. Donc normalement, quand vous tournez, boum, vous voyez l'autre côté de la pièce. Donc voilà. Pour certains, ça va pas forcément être très ouf. Et enfin, la petite fiche résumée. Voilà, pour certains ça va pas être ouf comme collector, mais personnellement je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc pas d'instant pub pour cette vidéo. Juste à JerryXXL, si tu vois cette vidéo, je te fais juste une pub à toi. Je veux que tu reviennes sur YouTube. Reviens-nous vite, tu manques. Allez. Sur ce, je dis à la prochaine. Bye tout le monde.